Et plop les gens, on était dans Céleste. J'ai une impression de lenteur. Ok, non, c'est bon. On en était. Dans le cœur, quelque part perdu en plein milieu. Et nous voulions l'atteindre, ce cœur de la montagne. Faut que je saute. Ça a beau être une introduction, il faut pas que j'oublie. J'ai double dash, fallait pas, très bien. Voilà, hop. Voilà. Là par contre, limite. Oui, alors partir pour revenir, c'est pas où. Non, ça ne veut pas. Ah zut. Pourquoi j'arrive plus à la prendre celle-là? Allez, on va y arriver. Juste le temps de se remettre un petit peu en manette. Mais c'est pas possible. J'arrive déjà pas à passer le deuxième saut là. Et pourquoi des fois il veut. Tout à l'heure elle était tout le temps trop haute. Et maintenant, elle ne l'est plus assez. Ça, c'est moi qui ai mis un peu trop de temps. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais quand j'étais trop haut tout à l'heure? Ah. Ah. C'est pas très précis tout ça. C'est pas pratique. Voilà. Allons bon. Allons bon. Nous. Nous n'y arrivons pas. Que se passe-t-il? En tout cas, j'ai bien fait du coup la dernière fois en hésitant de m'arrêter tout de suite. Est-ce qu'on voit ce que ça aurait pu donner? Bon, j'étais un peu plus dans le flux de l'action, donc voilà. Mais.
Allez. J'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Là. Je reprends un coup de... Je reprenais un coup de cristal pour... Mince. Le temps au départ d'analyser... D'analyser le chemin à prendre, donc la trajectoire à suivre, voilà. Mince. Et ensuite, je reprends pour reset le compteur d'endurance de Madeline. Et pour être sûr de le prendre, j'utilise un petit dash avant. Je sais pas si c'est forcé, mais... Au moins, je suis garanti de le prendre. C'est tout ce que je souhaite. Mince. Voilà. Ah. Hop là. Allez. Oh. Peu trop, c'est pas ouf. Réussir. C'est choupi. C'est un peu comme le dernier épisode, j'ai l'impression d'avoir déjà passé une demi-heure à... alors que j'ai passé seulement 8 minutes. Donc seulement n'est pas spécialement le bon mot. Mais sur le premier tableau... en diagonale et je dois quand même avoir... Ouais. Ah! C'est tellement... Mais non, je sais pas pourquoi je suis en train d'avoir un dash ici. C'est tellement juste. Le passage là-bas où j'y arrive pas, faut... Au final, c'est comme ce saut là, quoi. Ah zut, un peu tard. Un petit peu trop tard.
Oui. Voilà. Attendez, comment je suis censé faire? Pense savoir, mais... Oh punaise, c'était comme ça. Oui, c'est bon, on avance. Ok, là j'ai l'impression qu'il faut un dash dans tous les cas, c'est trop loin. À quel moment? Sûrement celui-ci. Un peu trop bas parce que du coup... Et là c'est trop évidemment. C'était pas mal. Ah oh, punaise. Il faut que je me mette. Ah je... Allez. Oh punaise. Mettre que la flamme rentre dans le... Rentre dans le tapis roulant et puis... A l'inverse de mon trajet, c'est compliqué d'avoir le... Le bon timing du coup. Gorgée d'eau. Hop, et là. C'est compliqué. Le chemin ne m'a pas l'air évident. En disant ça, j'ai la phrase, enfin une des phrases de Alistar Lavachette dans League of Legends. Je connais le chemin. Et ben pas moi. Là tout de suite, justement, je suis pas sûr de faire le bon chemin. Parce que j'arrive... Non, je peux arriver en face. Pire, je m'agrippe à gauche. Là où les flammes tombent dessus aussi. Il faut que je saute sur la droite. Oh là là. Pas sûr que ce soit mieux. Ça, c'était bien par contre.
Ok. J'essaye de... Non. J'essaie de trouver un... Un autre timing, mais... Ouais, c'est pas mal ça. C'est... Pareil, ok. Et ben, c'est compliqué, punaise, mais il y a trop de lave, il y a trop de magma de partout, perdu, et des boules de feu, merci, des boules de feu. Par là. Des petites boules, des grosses boules, toujours des petites boules. Oh, putain. Uh-huh. Mais... C'est déjà bien mieux, mais bon. Je le fais et puis je sais pas à quel moment à quel moment je démarre et du coup c'est compliqué. Ah là j'ai vu, c'était pas mal. Faut qu'elle soit à l'horizontale, là, les premières boules, et que je prenne vraiment tout en bas du truc, genre là. Là, et hop, j'étais peut-être un peu trop rapide. Là, je saute pas assez haut. Là. On va y arriver. Allez, je l'avais. Et j'aurais dû viser comme il faut vers le haut. Et j'aurais pu l'avoir. Oups, là. Mince. Et je pense que c'est un meilleur... un meilleur moment. Juste parce que du coup, je suis pas obligé d'utiliser mes dashs. Enfin, je peux conserver mes dashs jusqu'à... Jusqu'à tout à la fin où justement je dois avoir... Pardon. Oh là là, jusqu'à la fin où je dois avoir le cristal. Alors, maintenant... bien trop tôt là, même là c'est un peu tôt. Hop, je suis pas sauté assez haut, j'ai pas sauté assez haut plutôt, je suis pas allé assez haut. Ça m'a surpris, Madeline était toute rouge, tout en colère avec tout ce magma. Allez, je voulais faire en diagonale le premier. Allez, hop, hop.
avance petit à petit, hein. Mais l'essentiel, c'est de s'enfoncer au plus profond de ce mont céleste pour atteindre son cœur. Parce qu'on a déjà atteint le sommet, mais bon. Atteindre le sommet, ce n'est qu'une étape. Allez, on va y arriver. Maintenant. Tout ça pour ça. Chaque fois, le dernier, faut vraiment que j'ai pas peur d'improviser, de toute façon j'ai pas le temps de rester sur le tapis montant. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est censé être dans le lore. Est-ce que ce sont des tapis? Oh punaise. Que ce sont des formations plus naturelles. C'est bizarre avec ce clignotement à la toute fin. Est-ce que ce sont des vapeurs peut-être de... qui sont collées à la paroi et puis qui nous aident à monter? Genre une cascade d'eau bouillante qui du coup monte et quand il fait froid, c'est... Ça en devient une fontaine glacée. Je n'en sais rien. Mais au final, c'est presque le plus explicable naturellement. Enfin, je vois pas qui irait mettre des tapis roulants comme ça. Cœur du mont céleste. Oh non. C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Oula. J'ai l'impression que le dernier saut, il faut se propulser avec le tapis roulant sur la droite, mais peut-être que celui de gauche suffira et faire un dash. Donc une fois que je récupère le cristal là, il faut que je me réserve un dash. Et genre là, je me réservais les deux, c'était parfait. Non, faut qu'il soit au milieu, passé au moment du saut. Enfin, l'horizontale passé au milieu du saut, au moment du saut. Horizontale et hop. À l'horizontale, je commence à bouger par rapport à ma position. De base à peu près de spawn. Je crois pas. Avec un dash de moins, ça aurait été est difficile de l'atteindre, peut-être possible. Hein.
Allez, on peut y arriver. Punaise, c'est qu'est-ce que c'est? Galère. Je ne vous dis pas, c'est pas évident. Punaise, je l'avais. Ce serait bien de garder le dash après, comme ça je peux faire depuis la gauche. Parce que depuis la gauche, les boules de feu sont un peu mieux dans le... sont un peu plus gentils. Mais du coup, ça nécessite de pas utiliser de dash. Que pour faire le jeu à 100% vraiment 100% avec tous les trucs un petit peu cachés tout ça, il va falloir faire tout ce niveau sans mourir une seule fois. Et ben, je vous préviens, je ne le ferai très certainement pas, voilà. Je pense que je pourrais peut-être m'adonner à quelques challenges de pour faire du 100% de brut là, mais je suis pas sûr de d'avoir la motivation de tous les faire. L'accrocher trop bas, il faut pas descendre plus bas que la moitié. Faut que je le fasse avant de prendre le cristal, pas une fois que je l'ai pris. Enfin bon, de toute façon, c'était compliqué, mais là. Allez, on va y arriver. Peut-être que la vapeur montante du tout dernier est plus rapide, j'ai pas fait gaffe. Parce que si elle est plus rapide, elle nous propulsera plus vite en l'air. Ça a pas l'air plus rapide. Donc il nous faut des dashs. Au moins un. Droit. J'arrive pas ni à m'agripper en bas ni à sauter tout en haut. Et c'est la merde, la merde, la merde. C'est compliqué. Allez. Le plafond. Et j'ai commencé un peu trop tôt.
Yes. Ce jeu qui t'oblige à apprendre par cœur tous tes cycles, enfin à choisir un cycle. Oh mince, et à l'apprendre par cœur pour qu'à la fin tu réussisses et puis tu t'habitues surtout à la dernière partie du niveau quoi. Est-ce qu'avec deux dash en diagonale, je crois que je pars d'un peu loin si j'essaie de les faire sans toucher le... la dernière plateforme là. Et le sans mourir, du coup, je recommence au tout début du cœur B, hein, si... si je veux le faire. N'importe quoi. Allez. On va y arriver. Il faut y croire, hein, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Ouais, non, là, deux dash, c'est court. Et parcourir tout l'écran avec deux dash. J'ai pas bien sauté en haut de ce petit pic. Par-ci, des boules de feu par-là. Pas si petites que ça les boules plus. Allez. Descendu. En fait, faut que ma première plateforme soit vraiment tout en bas. La deuxième aussi, et la troisième, c'est plutôt au milieu. Là, les deux, j'étais un peu trop haut. Du coup, la troisième, un peu au milieu, bah, j'étais trop tôt. Il y avait... la boule. Allez là, j'arrive même pas à l'accrocher la dernière plateforme.
autant sur la première partie quand je meurs. Comme là, c'est juste des problèmes d'exécution, mais je sais ce qu'il faut faire. Oh non, là je suis trop. Ouais, un peu trop. Autant quand je meurs sur la... Non mais même limite la récupération du cristal. Non, oh là là. De mes dashs. C'est déjà full de l'impro, donc... Bien, on aura énormément avancé sur cet épisode, hein. Moi, je me débloque like... Et que toutes les salles d'après j'y arrive, ou que c'était genre la dernière salle du cœur, ou je ne sais quoi. J'ai l'impression que ça sera un épisode du retry. Hein. Je pense que la toute fin là. Ouais, que j'ai peur de rester un poil loin et d'attraper le. La fumée roulante depuis tout en bas. Bon là forcément je suis pas dans mon... Je préfère arriver d'en haut. Ah, j'ai pas pris assez de temps. Donc c'était sur le deuxième pour... Du coup... Je me suis pris la boule d'en haut, mais en final, se prendre le coin là-haut, c'est pas si mal. Oh. Toujours. Allez. Ah oh, punaise. Je vais pas sauter au niveau du deuxième. Et c'est quelque chose de compliqué. Mais je suis sûr que j'y arriverai un jour. Et pourquoi pas ce trail là? Et ben voilà. Suffit de chanter un peu. Et apparemment ça passe mieux. À part quand on découvre une nouvelle. Une nouvelle salle remplie de boules. Oh punaise. Oh punaise. Non, il faut que je tombe. Ouais, non. Hein. Faut vraiment que j'essaye, voilà, des... J'essaie d'être régulier, donc... C'est compliqué. Oh, du coup, on aura un switch. Parfait. Ah, je peux presque plus aller le récupérer. Je préfère la glace quand même. Non, parce que du coup je peux... Sur la glace je peux... Je peux marcher sur ces trucs là. Et mince.
Ouais, un peu trop. Ouais. Ok. Non, faut que... Je sais pas quelle couleur de cheveux j'avais. Entre le bleu et le rose, c'est deux couleurs claires et quand on est dans l'eau. Le monde qui vient de passer tout bleu, vu que j'avais pas gardé en mémoire, mais non, j'avais pas de dash. Donc il faut bien que je reprenne le dash parce que... Après, il y a un autre switch. Je sais pas ce que je fais. Voilà, c'était ce chemin-là que j'avais. Punaise. Est-ce que je suis obligé de le prendre ce... Ah. J'y étais presque là. C'est mort. Non, là, quand je fais ce genre de dash là, c'est que je me suis pas remis en tête que j'étais... Je connaissais le un chemin du début qui me convient très bien, qui est celui-ci. Ben non! En plus, je viens de me dire tout à l'heure, est-ce que j'étais obligé de le prendre? Et ça vaut mieux. J'aurais pu dû revenir en arrière. J'y étais. Si j'avais improvisé vers l'avant, il y a des chances que je l'avais. Allez. Change de la glace au feu. En vrai. Ouais. J'ai un peu trop dashé, mais dans l'idée, en vrai, je peux m'enlever des obstacles grâce à la glace, quoi. Faut d'abord que je prenne celui de gauche, quand même. J'étais en train de me dire, après, ça va devenir compliqué de revenir, sinon. Voilà. Mais non, j'utilise un dash de trop.
Ah, j'ai un peu mal géré. Allez, on va y arriver. On est plus si loin. C'est que j'utilise souvent le... Je n'ai souvent que 3 dash à ce moment là-bas alors que je suis censé en avoir 4. J'étais presque. J'aimais déjà pas ce passage dans la face. Ah. Je m'agrippe trop haut, je l'ai bien vu, mais il n'empêche que je le fais quand même. Que le jeu m'a habitué à m'agripper le plus haut possible au dernier épisode. Non, ici je suis obligé d'avoir 2 dash. Hein. C'est quoi ce coulée de lave qui s'arrête comme ça à droite? Là c'est vraiment des coulées de lave pour pas dire qu'il y a des pics de partout pour être un peu plus dans le thème, mais... Ah, ça va. Ce passage est relativement court. Comparé à ce que je me souviens de l'horreur du passage équivalent, mince, sur la face A. Non. Sauf que... Sauf que ce que j'ai un poil peur. D'ailleurs, j'ai pas vérifié si je regagnais mes dash avec le trampoline. Je disais, ce que j'ai un poil peur, c'est que ce ne soit pas qu'un seul tableau. Il me semble que j'ai aussi cette impression de ça dure longtemps sur la face A, mais. Ça dure plusieurs tableaux. Ici, je regagne mes dash, mais je les utilise pour ça. C'est pas comme si je les avais et il me restait un dash pour... Non, le dernier truc, le dernier tout en haut, il va falloir que... Voilà, que je m'agrippe
Agrappe. Je m'agrippe un peu comme ça tout en haut de la plateforme. Mais c'est plus facile de le faire ici en bas. Ok. Ça me rappelle aussi. Non, je peux pas faire un double dash ici. Mais. J'ai pas de dash une fois que je suis là-haut. J'y arrive pas à comprendre. Voilà. Ok, ça c'était évidemment nul à fuir. Allez. Ouais, mais il faut réussir à tomber sur quelque chose. C'est comme ça que j'avais fait. Ça ne marche pas. Ouh, c'était juste. Ok. Oui, il y a ce grand couloir à droite. Ça, la montée étant plusieurs étapes, hein, d'ailleurs, vous l'avez bien remarqué, mais je ne l'ai pas précisé oralement, donc autant le faire. Alors mon... Ici, c'est je m'agrippe direct, et là, c'est quand la première boule est... Non, là, elle était trop dehors, mais elle est en train de rentrer dans le mur qu'il faut... Je pense à peu près à moitié rentré dans le mur, voilà. Mon indice visuel, mon repère visuel, voilà. Et là, c'est... Là, c'est... Je me suis pas loupé et je m'agrippe direct. J'ai été trop loin. Ah zut. Va-t-on y arriver? Rien n'est moins sûr.
Ah, j'ai été trop en diagonale. Oui, je l'ai eu. Ok. Je vois ce qu'ils veulent nous faire faire là. Bah non. Là, ils veulent nous faire un... un bout de montée qui prend des blocs qui permettent bah, du coup de monter hein, de chaque chapitre. Il faut pas que je fasse comme ça. On n'est pas si pressé que ça. À part si on peut passer comme ça, mais là j'étais trop près du bloc. Chapitre 2, là les plaques du chapitre 3, là le bloc vers du chapitre 1, on va le redire dans l'ordre, le dream block du chapitre 2, les plaques mobiles de l'hôtel dans le chapitre 3 du coup. Après on a le nuage. 1, 2, 3. Le nuage c'est le 4. Donc faut que je trouve le timing. Le nuage c'est le 4, d'accord. J'aurais pensé que le... justement le bloc qui est au-dessus aurait dû être avant le nuage. Mais non mais... j'arrive pas à trouver le... Ok, c'est bon. Je n'arrive pas à... je n'arrivais pas à quoi? Je n'arrive à rien, c'est plus simple, dit comme ça. Que le deuxième dash est censé être utilisé par ici. Bien tombé pile poil. Il faut un deuxième dash, j'avais dit. En général, en tout cas. Bon, je peux le garder pour là, mais faut. De se tomber dessus pile.
avec le bon angle. Et d'ailleurs, je suis en train. Oula! Ouais, je suis en train de penser que ah, y a pas de truc ici. Mais on a fini la montée qui elle avait un point de sauvegarde. Et vu le temps de l'épisode, on peut s'arrêter là. J'espère que me voir galérer comme ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite.